Il y a un corps secret de la police qui est le All Black. Comme ça, c'est Barbecue qui a dirigé. Monsieur, ça a touché chaque semaine environ $500. Pour me citer parole, inspecteur ça qui prend le temps de lui, même à bouche, lui prend le dire au bagage ça. Situation pas petit du tout, là où est ce gros chef ça yo, qui a parlé en série de bagages, là où attendez ou même moi dit, est-ce que j'aurais ou pas fait au défaut? Ou bien est-ce que bon bagage qui pas marché? Son situation qui terrible, mais vous connaissez bien, nous pas là pour nous juger. Nous ne pouvons pas dire comme ça, mais nous avons un pile remarque que nous avons fait concernant des mondes qui sont en SPN 17 qui prennent des positions beaucoup plus avancées que nous-mêmes qui allons quitter nous dans la ligne mouvement. Nous-mêmes, nous toujours encourager tout ça qu'a fait pour aider les policiers à jouer une dignité, pour aider les policiers à avancer puis devant. Mais SPN 17 pas baille autorisation à ou mamni pour lui afficher en tant que fantôme ou bien pour t'apprendre des positions que nous-mêmes nous devons d'accord à mouvement, oui, nous d'accord à Jean Bagayou capable d'aller. Mais si ou même SPN 17 prend une décision pour lui-même lui faire un parcours qui devance nous. Nous respectons le choix, mon ça, et nous pouvons nous respecter le choix, mais nous toujours voulons qu'il y ait distance, nous, à ça qui est les fantômes 509 là. Nous toujours voulons qu'il y ait distance là, bien que nous voyons que, il vient mettre nous dans une situation qui est très embarrassante. On va parler de M. Gerbi Geoffroy, lycée délégué, nous, est-ce qu'on estime que position affichée n'est pas cadrée pour le moment à position structure ou dirigée SPNH? Nous croyons que Gerbi Geoffroy, en tant que délégué, nous, lui prend des positions dans le moment, dans le jour, ça, qui est censé, côté nous juger qu'il prend devant nous, côté qu'il est même licencié, faire un pas en plus SPNH. Parce que nous, toujours, au niveau SPNH, contre toute forme de violence, toute forme de mouvement qui est illégal, toute forme de mouvement, qui pas vraiment reflété aspect légal en la société. Mais toutefois, nous croyons que dans le jour qu'a venu là, nous pour nous ramener et déléguer à l'ordre pour nous capables que s'il pas appelé à l'ordre, SPNH capable de prendre, nous pas qu'on est la réfléchir qui met en forme la prendre. Dans ce qui concerne déléguer nous Gerbi Geoffroy. Qui position par rapport à l'initiative ça consistant à aller libérer de force des policiers qui n'ont des gardes à vue dans des prisons dans la zone métropolitaine, dans la zone métropolitaine, notamment Delma et Croix-des-Bouquets. Et que c'est ça nous-mêmes, nos positions par nous, et que il y a libéré les policiers, parce que les policiers ont été vraiment des victimes qui ont été, et que nous croyons que c'est une démarche qui va rentrer dans un cadre légal, mais dans le cadre de la société qui n'a vu, la côté pas de justice, et tribunal fermé, tribunal en grève, côté que vous crasez plus haut coup de justice payant. Est-ce que combien de temps politiciens ont passé dans la prison? Et que nous croyons que avocat policier, ça vient d'envoyer une note pour dire que les policiers sont disponibles pour paraître en état de liberté devant n'importe qui juge qui après pour tendre eux, même parce que pour nous-mêmes, en dans SPNH, cap défendre les policiers, nous pas qu'à compte ça que fait là. Mais bien que Fomna reste à désigner, mais nous croyons que SPNH encourage le mouvement. Donc, vous estimez, même si. Inspecteur, lundi, vous estimez, même s'il n'est pas légal, ça, Fantôme 509 fait à laguer policiers qui pratiquement étaient en principe sous contrôle de la justice, sous contrôle de la police. Même si vous estimez qu'il n'est pas légal, mais SPNH, structure dirigée, d'accord avec elle. Oui, nous soutenons que vous libérez les policiers. Parce que vous n'avez pas une bonne tonne en prison. Nous ne savons pas combien de temps il va passer dans la prison. Mais ça crée à la nous tolérer, nous accepter parce que nous ne savons pas compte
une décision qui prend pour aider des politiques qui sont en prison, pour y jouer une liberté, pour y avoir la caillou d'ailleurs, pour y avoir touché, pour y avoir un chèque, pour y avoir un carte de débit, et ces familles qui ont souffert. Et je veux dire, si vous êtes capable de faire une famille, pour nous-mêmes, c'est justice. Maintenant, directeur général de la police, là, M. Charles, il est condamné et Zach Sayo qui fait dans la prison. Vous avez un commentaire par rapport à ça? Condamné ou pas, DG Léon Charles n'a pas de légitimité encore, il n'a pas de commandement. Et nous croyons que c'est tout staff ou commandement qui mérite changer, arrêter, mettre dans la prison, même si vous faites pour qu'elle ait bouché. Faut que nous déjà notre directeur connaît que Léon Charles pas dans place li, yo pas dans place li, et que faut que démilitariser la police là, nous mandé pour police yo rete mobilisé, et nous croyons que désobéissance police yo supposé continuer, et n'a demandé pour remettre la police là aux policiers et pour remettre l'armée aux militaires. Nous croyons que c'est ça pays en besoin dans moment ça, pour toute unité la police yo travaille. Non, je dis, Léon Charles, il y a une fin case de tirer ce police là. Dans l'arrière, pour contre moi, il y a dans l'arrière, pour contre ta compétition. Insécurité. Et la police, policier, aucun point que le pays n'a pas de jambes en trois jours, ça, que Fantôme a sorti, le pays a gagné, on s'est un seul point en dans notre deux presse. Non, mais n'a pas rentré là-dedans tout à l'heure, mais si je comprends bien, on dit que depuis Fantôme a sorti, il y a moins de kidnapping, il y a besoin de justicier. Qui disposition légale qui encadre ça? Et autant de commentaires, plusieurs monde dans la société a fait par rapport à Fantôme, par rapport à Zakio, des actes de craser des biens publics qui répréhensibles, qui condamnables. Soit il y a des gens qui disent bah, ça, c'est anarchie, c'est expression effondrement de l'État, M. Lundi. Soit il répond. Ça, faut comprendre que c'est abus d'autorité qu'a fait qui fait arriver là. Est-ce qu'on capable prendre nos pays pour politiser la police là côté que policiers n'importe ça yo arrêter tous ces fantômes yo mettez policiers dans prison parce que yo pral dans pays yo pour aller al DS moins yo mettez policiers dans prison parce que y a ba yon juge sécurité pendant que c'est yo même qui te mettez dans job là encore c'est pas que les hôpital ba juge sécurité pour contre yo arrêter des policiers yo arrêter des policiers pendant que y a fait opération avec tout chef. Je choisis Yuna pour mettre dans la prison pendant que tout qui a fait bagarre ensemble. Est-ce qu'on croit que l'injustice est capable de vivre loin? Est-ce qu'on croit que l'État est capable de continuer à arrêter les policiers sans raison pour ça? Est-ce qu'on croit que le soulèvement que je dis, c'est propre l'État pour mettre? En tout cas, je me pose une question. Je crois que vous ne pouvez pas répondre, même pour comprendre. Ok, moi j'ai des questions et en plus là, j'ai des pertinences. Mais maintenant, que faire? Où demander changement, on m'a dit remplacer le directeur général là, maintenant qui va le remplacer? Et c'est autorité exécutive. Est-ce que appel ou c'est en direction ou lancer li? Maintenant, si oui, il y a qui dit, mais gang yo yo sponsorisé par des moun nan pouvoir, comme quoi nous rassemblons une espèce de grande confusion, un grand bouillon mimi. Et si vous présentez question devant comme ça, comment vous répondez, monsieur Lundi? Je pas bien saisi question, non? Qui moun nou vle pou remplacer monsieur Charles Bourou? Maintenant tu as parlé de politisation des décisions qui frappent des policiers qui gagnent des motivations politiques. Alors que ce régime là et décision ça semblait abservi mettre au conditionnel semblerait que ce régime n'a abservi. Excusez mon moment, maintenant dans un moment côté dénoncer des proximités qui gagnent pouvoir et gang. Et est-ce que c'est pour une espèce de gros bouillon? Mais comment pour avancer dans le bagage? Ça, j'en lié. Nous croyons que c'est un chambardement total. Parce que nous clair que le gouvernement, l'État, ça qui l'a, mandat fini depuis le 7 février. Et que l'Ikembe pouvoir livrer était toujours avec complicité et communauté internationale là. Nous croyons que faut que l'État, faut que des décisions qui prennent. Au niveau de l'État, et pourquoi qu'il faut qu'il respecte la Constitution. Seul ça, nous-mêmes, nous demandé, c'est respect à l'article 134.2, Constitution, faut qu'il respecte l'article ça, parce que c'est un article en la Constitution qui limite le pouvoir ou qui mandat. Quasi, quelle autorité pourra nommer un remplaçant à M. Charles? Et ça, me dit que pour arriver à régler ces pays, faut que l'article 134.2 soit respecté.
et pas gagner à sortir de là, faut article 134.2 à respecter. C'est plus n'importe monde qui vous mettez comme directeur là, la plus grande au monde servile à pouvoir de facto ça. Nous croyons que faut que peuple haïtien prenne responsabilité, faut que peuple haïtien accompagne le mouvement qu'a fait là, la journée, je dis là, pour être capable de faire respecter article 134.2 Constitution République là. Inspecteur, là, on va parler en tant que, c'est inspecteur de police là, nous invité, c'est responsable syndical de la police là, nous invité. Lorsque on a dit, madame président, fini 7 février 2021, et qu'on demande pour article 134.2 Constitution respecté, ou pas craindre, puis on va dire là, c'est politique quoi faire? Et t'aimes du Jeffrey. Et un syndicat, c'est un groupe qui est éminemment politique. Parce que c'est politique là qui cause naissance au syndicat. Parce que syndicat, la police n'a pas de syndicat avant. Si pas de politisation, la police n'a pas de pays à mal. Travail fondamental, syndicat qui pour le faire, c'est pas faire politique, c'est défendre intérêt syndicat, commandant. Et bagaille intimement lié pour défendre intérêt policier qui en un cadre syndicat politique là toujours c'est la première barrière pour joindre ces politiques là. Alors si que ou pas prendre des positions qui politiques pour défendre policier ou pas jamais qu'à un résultat à chercher. OK. Maintenant nous demander pour que gagne lumière fait sur sacrifier village de Dieu. Bon petit détail, je dis à la fait pratiquement 8 jours et cadavre policier yo était toujours dans village de Dieu où tu vois tout parler en pile bagaille ça fait le blindé a retourné dans semaine là monsieur Charles directeur général il la police dit c'est pas cobioté mais c'est un côté yo te dit yo et blindé a allé donc quelque part li oui comme quoi pas de négociation oui c'est ça mon comprendre contrairement à des informations oui pas de bail comme ça ou un commentaire sur ça mais monsieur lundi nous croyons que encore une fois déjà montré qu'il pas gagne aucun leadership parce que si dans premier tweet que le débat ou bien dans sur compte Facebook PNH là il dit que yo récupéré blindé a toute bagaille OK yo récupéré le prend force yo en train dans parole pour le bail. Ça fait deuxième version de son même dossier. C'est là nous que monsieur ça pas gain contrôle ça y a dit, yo pas gain contrôle ça y a fait et que c'est menti y a bail pour couvrir l'autre menti. Nous croyons que monsieur ça pas dans place et que c'est une honte pour la police là pour ces gens de monde qui a dirigé la police. OK, maintenant dernière question là. Là pratiquement Oudif et Dougon Chambardement faut que respect article 134.1.2 pardon de la constitution faut que policiers mobilisent beaucoup de population hein, pour qu'au plus vite il y ait un changement de régime si vous comprenez bien et puis pour gagner des gros passements qui fait dans la police pour avancer si me résumer ce sont les temps forts de ça ou dit nous là monsieur lundi. Oui et c'est ça lié parce que avec le régime ça police yo pas jamais ka respecter faut que parce que la police est crasée et me pas croire que nèg ça yo en mesure pour régresser bac la police là. Okay. N'importe ça y a fait là c'est n'est que fouiller la police dans plus dans mon policier et sorti depuis DG pour arriver jusqu'à agent 1 qui te fait partie de l'opération ça. Okay. Nous mandé tout pour bon Jean Lumière fait sous policier Pierre Luc Dor alias animal qui te fait partie de effectif opération ça que non pas figuré ni parmi victimes ni pas mes monde qui blessé ni parmi monde qui mort. Okay. Demandez pour bon Jean Lumière fait sous policier Pierre Luc Dor. OK. Ça important maintenant, pour nous en pile. Maintenant, on pas quatre questions et une question qui action et concrète fantôme section 9 et contre kidnapping depuis les Lapsotia. Et puis une deuxième question on auditeur et voyez il dit et t'as gagné des policiers qui t'ont mis le bracelet rose qui t'a fait supporter Matéli, qu'on y a barré là-bas, bon, dans quoi nous, et c'est plein. Et gagné on qui dit, et Jean, pardonnez-moi, qui t'aime allé là, bonjour Jean policier, mais arrêtez mon illégalement tout, et puis qu'on y a plein pour policier, arrêtez également, pays tête en bas. Trois questions rapidement. Bon, je comprends le problème, mon ça, parce que le WAP font émission, il y a tout le monde là-dedans, il y a un qui pour pouvoir, il y a un qui contre pouvoir. C'est normal pour poser des questions qui sont assez controversées. Nous, on a salué Mounsayo qui est parfois victime d'intervention de la police. Ça a toujours arrivé dans tout le pays pour gagner des interventions pour des gens capables de frustrer l'intervention de la police. Mais ça ne veut pas dire tout que vous êtes obligé contre les policiers pendant que vous voulez défendre le droit, je ne le dis pas. Parce que l'État, ça a voulu
fait tout ça qu'on est pour lui faire policier une victime pour victimiser policier encore plus et une fois que si t'as eu des monde que policier ou t'es qu'on fait des abus on prend voit pas pour demander pour excuse pour demander pardon pour yo parce que en pile fois c'est pas yo même qui l'a fait si l'autre là sorti yon côté yon obligé exécuter en tant que policier c'est ça journée aujourd'hui là qui fait que nous rentrons en rébellion nous pas prendre l'ordre encore nous pas exécuter aucun ordre illégal et que nous demandons des populations pour accompagner ça, nous de manière pour nous capable une autre police une police professionnelle une police qui est efficace quand ça vous maintenant ça 509 fait concrètement fait kidnapping dans BC c'est une autre question auditeur dans oui. Trois questions ça fantôme dans fait concrètement fait kidnapping dans BC aujourd'hui là. Et seulement ça le fait, hein, c'est que les préoccupés, l'esprit kidnappé, les préoccupés, les gens qui ont planifié et kidnappé, ils n'ont pas gagné temps pour planifier kidnapping. Donc, c'est une réponse pour le bail à ce fantôme 509. Ok, t'es con. Les préoccupés, ils n'ont pas gagné temps pour préparer kidnapping d'abord. C'est Jean Dimna là, c'est côté kidnappé, il a un cas ça. Bon, au cas qu'on entend parler d'une instance concernée, kidnappé. En dans village de Dieu, au cas de parler de Dimitri qui rentre dans le blé. Et qu'on n'y a pas de ma parole, voilà, là, il y a un bon screenshot qui a circulé. Côté Dimitri Hera a parlé avec barbecue. J'ai l'impression où est screenshot ça et tout. Et qu'il y a un autre bagaille qui rentre dans la ligne de jeu encore. All Black. Il y a un All Black qui est souterrain là encore. Pas All Black là. C'est tout ce qui est bagaille qui est souterrain là qui a fait actualité. Ça All Black là, monsieur Lundi. Moi, faut que moi, donc, All Black là, c'est Karl Henry qui te mette des bagailles All Black ça dehors. Cela veut dire que nous apprenons qu'il y a une unité spécialisée dans la police qui est All Black. Et nous croyons que d'après Karl Henry, All Black a participé dans l'opération 12 mars là, tout en dans la police qui est All Black là. L'ordre de participer dans l'opération 12 janvier, ça veut dire 12 mars. 12 mars là, ça veut dire de participer dans et parmi unité qui mourit et bon côté la police ou contre la police? Non. Il était fait partie de unité de opération 12 mars là et nous croyons que en plus policier qui mourit All Black là beaucoup bien un pile bagaille là-dedans parce que d'après information nous jeune All Black ça c'est barbecue qui a dirigé son c'est des nègres en noir qui Léon Charles engagé beaucoup de policiers pour toute opération qu'a fait pour opération échouer. Je crois que DG Léon a un pile d'explications pour le bail concernant M. All Black Sayo. Parce que Sayo, chaque vendredi, il touche $500 américains. Chaque vendredi, M. All Black Sayo touche $500 américains dans le pendant que nous-mêmes, policiers, nous pas qu'à jouer un cob, nous pas qu'à jouer un logement social, nous pas qu'à jouer une assurance médicale. Pendant que All Black Sayo, chaque vendredi, touche $500 américains. Bon, et dernier petit point, c'est des policiers qui mettent bracelet rose dans l'élection matérielle en 2011. C'est un auditeur qui vous demandé ça pour me demander est-ce que nous regrettons ça et quelque part. Nous pouvons... bon, moi-même, personnellement, avec un peu de amis, je ne vais pas mettre bracelet rose dans le bras nous dans l'époque ça. Okay. Mais nous pouvons que un peu de policiers qui défendent. Bon, jusqu'à présent, il y a un homme qui a posé un bracelet rose dans le bras, il prend ma parole là. Ok. Ça paraît étonnant. Ok. Mais, c'est pas. C'est conviction, mon nom. L'idée doit appartenir à groupe que je voulais. Ok. Nous ne pouvons pas empêcher mon appartenir avec le bracelet rose. Nous ne pouvons pas empêcher ça. Mais, il faut connaître que ma majorité. Allez-y. Il y a deux points besoin d'éclaircir avant. S'il vous plaît. Question à vider là. Auditeur à vider. Question à vider. N'a pas demandé commissaire, quoi de bouquet pour lui prendre toute disposition pour libérer policiers qui ont été arrêtés ensemble avec juge et Michel d'Abézil. Parce que habeas corpus qui était fait là, il était fait pour tout le monde qui a été arrêté. Mais nous devons nous compte que juge instruction a été rendu ordonnance discriminatoire pour libérer seulement d'Abézil. Et nous demandons juge ça, pas son génome. Pour lui faire une séance pressée, pour qu'elle te commence, pour lui réunir tout le tribunal, là, pour lui commencer, pour lui continuer la séance, ça, pour capable libérer le reste de monde. Parce que nous avons pile d'informations qui ont fait quoi que
il est possible que vous capable à libérer policier qui dans prison quoi des bouquets. Nous connait qui ça veut dire si vous t'a libéré policier qui dans prison quoi des bouquets, a bien l'autre évasion spectaculaire même gens qui était fait dernièrement là. Nous demander pour juge la prend toute disposition pour aller pour libérer pour forcer Eric Al Steven, Jérôme Benson avec Dashlin Sefort avec madame Marie-Louise Gauthier pour libérer Mounio parce que nous pas ta souhaiter que gagner un autre débattement fait en dans prison ça encore pour libérer yo et puis pour reste police reste bandit qui en dedans ta tout bénéficier. C'est ça fait n'a lancer et sonnette d'alarme ça pour juge la pour responsabilité parce que on habeas corpus qui était fait avec tout le monde et n'a demandé pour libérer tout le monde qui était fait partie de bon. De arrestation ça. Bon paquet de questions qui a venu pardonnez-moi que peut-être qu'il n'a pas pour faire appel pour qu'on dit la police crasée, il y a un monde qui dit comme la police pas rentrer et village là pour qui ça fantôme yo c'est pep y a théorisé au lieu rentrer dans village à chercher quoi policier yo et pour qui ça vendredi yo t'attend des radios PNH là et puis aucun n'a yo pas aidé policier dans village là et gon monde qui voye mandé